Salut à tous, c'est Canito pour Scamma Fishing. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo un petit peu particulière où le but, ça va être de dessiner un leurre, le fabriquer et après aller attraper du poisson et tout ça dans la même journée. Alors j'espère que ça va fonctionner, mais bon, j'ai à peu près déjà des pistes, donc je pense que ça devrait le faire. Les étapes sont très simples, il va falloir faire un petit dessin papier, ça va être le début. Je vais commencer par là, je vais l'importer dans mon logiciel, dans Fusion 360. Je vais le modéliser en 3D. De là, on va partir sur l'impression 3D et la peinture, tout ça, tout ce qui va faire le leurre. Et quand le leurre sera verni et sec, je partirai à peu près 40 minutes de la maison pour aller essayer d'attraper un poisson. Alors le poisson ciblé aujourd'hui, ben, c'est simple, on est en plein été, il fait super beau et moi j'ai décidé d'aller attraper du chevesne parce qu'il y en a quand même beaucoup par chez nous et en plus je me dis que ça peut être très sympa. Un autre avantage aussi, c'est que ça va faire leurre petit, on va être à peu près à les 2 cm et avec ce petit leurre, ben, du coup l'impression 3D est beaucoup plus rapide. Donc on va essayer de faire un leurre flottant avec une petite animation quand on le ramène. J'ai déjà ma petite idée en tête, il faut juste que je le dessine pour pouvoir continuer. En fin de vidéo, vous retrouverez le bon plan, donc je vous invite à aller voir parce qu'il y a de sacrées bonnes affaires. Bon, mais maintenant on va partir directement au dessin pour essayer d'aller le plus vite possible, sans non plus griller les étapes, mais il faut aller assez vite pour pouvoir être sûr d'aller sur l'eau à temps. Bon, là, vous avez vu un petit peu le dessin en 3D. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, mais c'est justement pour essayer d'aller vite. Normalement, avec l'épaisseur de coque et l'air que j'ai laissé à l'intérieur, il devrait flotter. C'est vraiment un critère qui va être très important pour moi. Il faut qu'il soit flottant. Donc, on va de suite partir
sur l'impression 3D et ensuite tout ce qui est fabrication, c'est-à-dire le ponçage, la peinture, le vernis, tout ça. Et on y va de suite parce que là par contre on n'est pas arrivé. Ça y est, le leurre est terminé. J'ai pu tester vite fait, il flotte, ce qui est déjà très important. On va pouvoir partir au bord de l'eau. Je prépare mon petit matos, ma petite canne light avec un petit peu de bas de ligne. 5 leurres, parce que c'est les 5 qu'il y avait sur l'impression 3D. Et on est parti au bord de l'eau. Et donc ça y est, on est au bord de l'eau. Et oui, c'est là. Donc pour me faciliter la chose, je suis venu sur un endroit que je ne connais pas. Alors au moins comme ça c'est clair. Il y a un petit pont juste à côté, j'ai vu d'en haut, j'ai vu un chevesne. Donc le but c'est d'attraper un chevesne. Les leurres sont prêts, j'ai 5 leurres. Les 5 qui étaient sur l'impression 3D. Maintenant le but c'est de faire un poisson le plus... ben voilà, le plus joli possible. Et puis s'il y en a plusieurs, c'est encore mieux. Ça voudrait dire que le leurre fonctionne super bien. Allez, je monte la ligne et puis on va attraper le poisson. Donc pour ceux que ça intéresse, voici mon ensemble. Donc là on est sur un moulinet, c'est un Revo de chez Abu Garcia. La canne c'est une Eon en 2-10 grammes. Et dessus je vais y monter un bas de ligne en 18 centièmes. Parce que l'eau est quand même... voilà, elle est pas très claire, mais quand même je préfère être assez discret. Et du coup je vais mettre un bas de ligne assez long en 18 centièmes. Et donc voilà la boîte. Allez, donc la boîte avec les 5 leurres. Donc j'ai fait donc plusieurs couleurs. Vous avez vu une couleur en peinture parce que je n'avais pas tout vous montrer. Voilà, je me suis fait 5 coloris qui me paraissent assez logiques. Je pense que je vais attaquer sur un très très naturel avec un petit ventre jaune là, un petit dos un peu verdâtre marron. Voilà, c'est, on va voir. On va commencer avec ça, on va voir comment ça réagit derrière. Et si ça réagit, ben c'est parfait. Allez, je vais attaquer ce petit secteur. Déjà là, je vois que il y a des arbres là-bas. Qui font de l'ombre, et vu qu'il fait très chaud, je pense que ces poissons vont être assez assez planqués. Bon, alors du coup, est-ce que ça nage? On sait que ça flotte. Ouais, ça flotte bien, mais est-ce que ça nage? Allez, je vais lancer en face et je vais regarder ce que ça fait. Alors, hop, déjà ça flotte, c'est pas mal. On va pouvoir faire des petites animations en surface. Voilà, ça c'est bien aussi. Et ensuite,
parfait. La nage est superbe. La nage est terrible. Donc ça nage ultra serré forcément, avec la mini bavette à l'avant droite, ça ne plonge pas. Voilà, donc là il doit rester à peu près entre 5 et 10 cm sous la surface. Voilà, ça nage super bien. C'est mortel. Ça ondule très légèrement. C'est parfait. C'est parfait. Allez, maintenant il reste plus qu'à faire du chevenne. Yes! Là, il n'y a pas pêché encore. J'aime bien mon coco. Ne casse pas. Yes! Alors là, là, je crois qu'il y a du poulet là. On avait la taille du leurre dans sa bouche. Ouais, ça fait un gros, hein. Regardez-moi ce chub. Il est énorme. Il lui manque un bout de queue. Mais par contre, il est vraiment, vraiment beau, vraiment fat. Un superbe poisson. Eh ben, pour un poisson avec le nouveau leurre, ben, je crois que c'est quand même pas mal. Ça fait super plaisir. Il est mini quoi. Ah, les mini sont chauds en tout cas. Donc quoi, ça attrape de tout. Quelle riquette. Ça fait vraiment du petit poisson, hein. Yes. Yes, yes, yes. Eh bien ça valide. Ça valide. Ah, c'est un beau poisson. Au petit bleu. Regardez-moi ce poisson. Je crois que ça valide. Hein. Il est parti comme une balle. Et bien voilà, vous avez pu constater que le leurre a fonctionné. Je suis vraiment très content parce que c'est quelque chose que j'avais dans la tête déjà depuis un petit moment, de faire ce leurre là, un petit leurre à chevenne. Et donc ben voilà, ça a fait beaucoup de poissons, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir aujourd'hui, je me suis éclaté, c'était vraiment fun, il y avait des poissons au rendez-vous et tout ça, et j'ai pas pêché longtemps. Il fait très chaud aujourd'hui, là le soleil va commencer légèrement à tomber, mais bon, il est encore assez haut. Mais en tout cas, le leurre est validé, je suis vraiment très très content. Et comme convenu, retrouvez le bon plan de la semaine. Vous savez que sur Scarafishing, on aime toutes les pêches, et d'ailleurs, cette semaine et jusqu'au 15 août, on vous fait profiter de remises exceptionnelles pour la pêche de la carpe.
qui au passage je vous conseille, pour l'avoir pratiqué pendant des années, c'est une super pêche. Ben là vous allez pouvoir retrouver des remises exceptionnelles, hein, jusqu'à moins 72% sur le site Chronocarp. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Chronocarp, ben, c'est tout simplement le site de référence pour la pêche de la carpe. Et en plus vous avez la livraison express en 24 heures. Après il y aura toutes les grandes marques, les Fox, Nash, Corda, Carp Design et autres. Allez, vous trouverez tous les détails dans le lien qui est dans la description sous la vidéo. Donc je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment un très très grand soutien pour nous. Mettez un petit pouce à cette vidéo pour le référencement, c'est toujours pas mal. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et si jamais le concept vous plaît, ben, n'hésitez pas à le mettre dans la description, on essaiera de faire d'autres types de vidéos comme ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Canito pour Scarna Fishing, à bientôt, ciao.